Et bonjour sur 80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur Deadlight pour notre semaine Halloween. Donc voilà. On va donc découvrir ensemble ce qu'est le jeu. Alors, à première vue, hein, donc voilà. Donc là, j'ai commencé juste le jeu, hein, donc voilà. Donc je connais pas grand-chose du jeu pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sera un genre de jeu comme un flashback. Donc si vous n'avez pas connu, c'était à l'époque un défilement comme ça, et où on devait échapper aux monstres et autres en utilisant le décor et autres. Donc voilà. Donc là, nous allons justement passer un petit bout de temps sur ce jeu. Nous allons découvrir ensemble un petit peu ce qu'il donne. Alors moi, j'ai déjà avancé un tout petit peu pour savoir un petit peu ce que ça donnait. Alors au niveau côté maniabilité et tout ça, c'est pas mal. Il faut savoir que bah c'est ce genre de jeu où on peut mourir du premier coup. Donc là justement, là il y a des trucs à faire. Là je vais récupérer les trucs. Et voilà, regardez hop, comment on a fait pour esquiver le zombie. Après ici, je sais pas après comment il va faire. On va voir comment le zombie va se comporter là-dessus. Ah, voilà. Bah, il est tombé dans le trou. Ok. Donc voilà. Donc là, nous voilà sauvés. Là, maintenant, il est piégé. Regardez. Et voilà. Donc en gros, ça va être un peu toujours comme ça. Donc comme ça, je vais pouvoir voir s'il n'y avait plus d'autres trucs. Voilà. En gros, donc, vous serez amené à toujours essayer de ruser avec les ennemis. Pour justement, voilà. Oh, une hache, ça m'intéresse ça par contre. Ça m'intéresse. Alors par contre, le personnage, je le trouve assez sombre. Hein. Donc voilà. Okay. Je le trouve assez sombre, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Mais les graphismes et tout ça, l'ambiance sonore, c'est pour ça que je voulais laisser un petit peu. Je le trouve pas mal. Maintenant pour achever à terre, ok. Ça c'est pas mal par contre. Ça c'est pas mal qu'on puisse se battre comme ça avec une hache. Généralement dans ces jeux on n'a pas d'armes. Et là apparemment en évoluant on va peut-être avoir... Ah, là j'ai un peu de mal avec... Oh. C'est quoi là? Voilà. Bah mon héros, je sais pas qui. Il m'a fait un troll. Je sais pas ce qu'il m'a fait. En gros, je sais pas ce qu'il fait. Bon, là, je me suis un peu foiré. Pas grave. Donc on peut aussi avec les pièges, hein. Lâchez-moi, bordel! Par contre, au niveau énergie, je suis à moitié mort. Donc voilà, donc si vous aimez le jeu ou que vous trouvez que que le jeu est pas mal, que la petite découverte est sympa, vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu, ça ferait donc plaisir. Hein. Donc voilà. Et alors, ce qui est bien apparemment, c'est que là on voit qu'on a des fois c'est plus rapproché les cams, et des fois un peu moins. Donc, à voir. Oula. Bon, alors là, je me suis foiré. Donc, on voit hein, clairement. Il aurait fallu que je cours. Donc, on meurt, mais on le sait pas à l'avance. Hein. Voilà.
En gros, il va falloir que je me dépouille, voilà. Voilà. Donc malgré son aspect simple, il y a quand même plein de petites choses à retenir sur le jeu pour pouvoir avancer correctement. Je sais pas, je vais descendre voir un peu ce qui se passe. Ok, un billet de 100$. On verra. Non, je peux pas par contre les fracturer. Alors on va essayer de courir hein, comme un malade. Et c'est parti. Allez, run, run. Donc là, à mon avis, je vais avoir un petit moment où il va falloir rusher. Allez, cours, Forest, cours. Run, run, run. je vais les combattre. Allez. Allez, cours. On le voit, le zombie tue, sérieux. Il dévale la pente comme un gros couillon, là. Ça m'a fait rire, par contre. Attendez, on va voir s'il n'y a pas des options dans le coin. Je peux toujours... J'ai bien aimé le zombie qui dévalait la pente. Hein. C'était assez sympa. Donc ici, on va couper un petit peu... On va couper ça pour éviter les parlottes. Alors... Donc ça, c'est le point... Par contre, ouais, le point un peu embêtant, c'est que le jeu est sombre quand on est dans la nuit, apparemment. Donc pourtant, c'est... C'est un peu embêtant, par contre. Ouais, ouais, je peux pas tuer quand je suis à court de endurance, d'accord. Et là, je peux te tuer encore. Voilà. Bon, apparemment, les zombies, ils sont assez rigolos, hein. Ils sont assez solides. Donc là, en gros, il va falloir... Non, mais lâche-moi! Allez, cours! Qu'on voit, on pourrait se faire tuer facilement. Si on réfléchissait pas un petit peu. Alors là, je fais quoi? Je me mets à plat, je me mets à jambes. Ah ouais, on se met comme ça. Okay. Là, en gros... Allez. En gros, on va sauter. Allez, allez, hop, non. Allez. Mais lâchez-moi. Bon, bah là... là, ils m'ont eu. Donc, on voit que le jeu, il est pas simple. Hein. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi. Voilà. En gros... On va les repousser. Ah mais non, lâche-moi toi. Et son coriace, hein. Je devrais jouer un peu plus technique. Ah. Bon, c'est bon, ils ont fini là. Alors, c'est un asthmatique, hein, mon gars.
Et voilà, hop. Bon, en gros, j'avais pas. Je pensais bourrer à la hache le truc, mais non. En fait, il fallait juste courir et foncer en plein dedans. Oh mais non, mais là je me suis tué comme pas possible. Alors, faut pas faire comme moi. Ça c'est clair. Alors, on va juste se rapprocher près du bord et juste descendre comme voilà, comme des gens normaux. Là, je l'ai fait à la version bourrin. En tout cas, bah, si vous aimez donc la vidéo, hein, donc voilà, vous pouvez vous abonner, hein, comme on peut dire. Alors ici, on fait quoi? On va aller voir par là. Donc voilà, si la vidéo vous plaît, bah, vous pouvez toujours vous abonner, comme je disais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît, hein. Ouais. Donc je vais pas trop parler, j'essayais de faire comme il fallait, hein, voilà, en gros, pour pas mourir trop souvent. Ouais, bah là c'était le coup classique, hein. Ah ouais, ok, donc oh, ouais, je pensais que c'était en arrière-plan. Je pensais que c'était un arrière-plan, mais là non, 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 là je me suis complètement foiré. Alors en version rapide, il faut en fait il faut enchaîner pas mal. Hein. Allez, on va se le faire en mode pas trop bourrin. Voilà. Non! Décidément, je suis un boulet. Décidément, je suis un incapable pour ce genre de jeu, apparemment. Mais bon, après, voilà. On avance pas mal, c'est sympa. Ici, il va falloir réfléchir. Allez, en gros, on va. Voilà. Donc, on se met toujours bien en dessous. Hein. Dans ce genre de jeu, c'est un peu comme un flashback. Non. Tu vas. Voilà. Et après. Donc, on voit des fois que si vous maintenez trop votre joystick, il bouge de gauche à droite. C'est pas le mieux, hein. Franchement, c'est pas le mieux. D'accord. Et après, ici, on pourra certainement aller là-haut. Boum. D'accord. Et ça servait à quoi? On a fait ça, mais après, ça sert à quoi? Non. On fait peu pas. Ah oui, c'est vrai. Donc, coup classique. On réfléchit pas. Voilà, coup classique, hein, tout simplement. On débloque et puis on fait comme à son habitude dans ce genre de jeu. Hop, voilà. Alors il faut savoir que là, donc je l'ai récupéré donc en promo, hein, actuellement donc sur le PSN. Il est pas très cher. Donc c'est pour ça que justement je me suis dit bah, que j'allais justement le tester et faire découvrir un petit peu si si vous ne connaissez pas déjà. Si vous connaissez bah c'est que vous avez mon goût, comme on dit. Yeah.
Viens ici toi. Boum. Bon, par contre, faut jouer au contre hein, avec les zombies, sinon. Allez, mange. Voilà. Vous jouez pas au contre, vous allez pas réussir. Hein. Alors là, je vais faire un truc. Voilà, voilà. Hop. Alors, ça marche pas comme ça. Alors, on va peut-être essayer de sauter par là. Hop. C'est parfait. T'as fini là. En gros, donc il faut faire pas mal de plateformes. Bon, là j'ai commencé à comprendre un petit peu l'endurance et un peu tout ça, quoi. En gros, alors ici, alors pour rebondir, ah oui, oui, c'est vrai, on l'avait déjà fait. Normalement, alors on l'avait déjà fait. Voilà. Ouais, je me suis complètement loupé là, franchement. Ouais. Boum. On peut glisser, hein. Non, même pas. Ah non, on peut pas glisser. Ouais, je pensais qu'on aurait pu glisser, mais non, on peut pas glisser. Music box. Shannon gave Lydia one just like this for her slaughtered family. And another graffiti signed by the new law. This is what happens to those who steal. Above their heads, another one of those graffitis. There's one. Bon, allez, la claque du siècle. Bon, alors on se fait pas mal défoncer hein. Après il faut dire aussi que voilà, je fais ça comme un fou. Ah ouais, d'accord, ok. Donc en fait ouais, il fallait juste se dépêcher et après ça marche pas mal. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo donc vous aura plu sur cette découverte du jeu. Sur ce, moi je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur O80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien.